Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsujiniro et bienvenue chers amis, bienvenue dans Dino Bro, votre troisième épisode, voire plus, non, c'est le troisième il me semble, hein. Et je vais intituler cet épisode La cuisine en flammes, parce que qu'est-ce qui fait chaud dans ma chambre, ce PC qui chauffe. Ah, j'en peux plus de cette chaleur, et c'est sans déconner, c'est là que tu regrettes l'hiver. Quand il fait froid et que tu dois coller tes pieds au radiateur pour avoir chaud. Bref, bienvenue dans Cuisine en flammes, ce joli petit jeu. Alors j'ai souvent, oui, non, dès que j'avais un petit moment de libre, j'ai rejoué parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mon petit restaurant et de faire des burgers, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, il semblerait que j'ai une... Alors j'ai fait 30 jours, voilà, j'ai fait 30 jours, je reprends. Est-ce que... Je me souviens plus où c'est que je me suis arrêté dans la dernière vidéo, à combien de jours est-ce que j'étais. Sûrement pas à 30 en tout cas. Mais voilà. Je vais reprendre ma jolie petite rousse. Vous savez à quel point j'adore les rousses. Elles sont délicieuses. Et on va aller en chier un petit peu, j'ai envie de dire. Vous allez voir, vous allez assister à, comment dire, à la décadence d'un entrepreneur honnête qui ne veut qu'une seule chose, c'est de gagner sa vie en faisant ce qu'il aime, de la cuisine. Chaussures de sport. Ah bah tiens, j'ai fait la quête. Je vous rappelle qu'il faut faire certaines quêtes, comme le critique gastronomique a impressionné, qui n'a pas été impressionné, il y en a un autre impressionné sans doute. C'est quoi ça? C'est verrouillé, donc je ne peux pas le savoir. 15 salades, j'ai servi 15 salades. Les chaussures de sport sans burger. 100 burgers déjà, oh la vache, terminé. 25 boissons, bon maintenant j'ai un serveur, donc les boissons c'est pour lui. Les mains-giles, je peux porter deux choses à la fois. Et donc apparemment, voilà, je vais pouvoir acheter chaussures de sport, je vais pouvoir courir plus vite. Il y a la rénovation du bâtiment. Embaucher un serveur de plus. Ouais, mains-giles, verrouillé. Alors, j'ai plus de comptoirs. J'ai un comptoir en plus de tables, plus de grilles. Je peux en faire 4. J'ai des glaces aussi. Friture, je fais de la friture. Alors, je fais de la friture, c'est-à-dire poulet et frites. On va le faire, ça. Ingrédients poulet, voilà. Donc, bref, il faut vous montrer, parce que ça sert à rien de vous en parler. Allons-y. Donc, main agile, déjà, je peux prendre deux fois. Plus d'ingrédients pour les poser. Donc là, je prends deux tomates. Au lieu de... Voilà. Puis je vais découpe. Mais découpe. Mais... Et puis, bah, je cours. Non, mais le remets pas malheureux. Et là j'ai toujours le réflexe de pas... Bon, il y a une salade déjà. Pour un vegan, alors les vegans, les mecs qui viennent pour manger une salade, ils sont relativement chiants. Alors il me faut du poulet déjà. Le poulet c'est là, la friteuse, la patate, et d'un et de deux. Et après il faudra les servir les glaces. Il faut découper le poulet. Je sais plus si on l'avait. On l'avait déjà ça la dernière fois. Et hop, le pire c'est les glaces. C'est les glaces là parce que vous voyez, il faut que ce soit moi qui les serve. Et je crois que lui, il veut trois glaces. De là, c'est qui? C'est celui-là? Non, c'est celui-là. C'est pas lui? Ah, c'est la personne qui est là. Voilà. S'il a pas sa glace, donne ma glace, elle se barre. Je crois que c'est ce parfum-là. 3 et c'est le type qui est là. Allez, 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 allez. Voilà. Oh là 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 là. Et regarde, le mec qui veut de sa salade. Je veux ma salade pour avant-hier. Voilà. Voilà, encore des glaces. Oh non, des glaces. Là, je vais mettre le poulet. Le poulet. À servir la glace. Il veut un parfum de chaque. Ça, c'est chaud, chaud, chaud la glace. Hein. Il est où? Il est où que je lui mette dans la gueule sa glace? Tiens, allez, vite. Non, le poulet va cramer. Le poulet va cramer. Elles sont nulles, ces baskets. Elles vont pas plus vite. La patate.
Ah là 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 là. Oh, c'est chaud, chaud, chaud patate. Avance, ça frite. Chaud patate, tout ça. Il s'est barré. Il s'est barré. Ce sac à vilenie, il est parti. Tant pis, ça fera pour quelqu'un d'autre, je suppose. Donc, une salade végane. Alors, c'est un petit peu de concentration parce que les 5 étoiles, je n'arrive pas, j'arrive plus à les faire. Tout simplement, beaucoup, beaucoup trop de travail. Beaucoup, beaucoup trop de travail. Tiens, hop là, ça c'est bien parce que c'est. Et des clients beaucoup trop exigeants. Il y a toujours un client que je rate. C'est impossible. Alors, en plus, je me suis dit que ce serait marrant de jouer avec quelqu'un. Mais j'ai surtout l'impression que ce sera encore plus le foutoir. Parce que t'imagines, t'as le serveur, t'as machin, d'accord, c'est drôle, t'as ton copain, ok, on fout le bordel, machin, on s'entend pas. J'aimerais voir les joueurs du grenier jouer à ça, évidemment. Du poulet, du poulet, du poulet, encore du poulet. Encore du poulet. Frites poulet, frites poulet. Catastrophe, catastrophe. Prépare les frites, prépare les frites, prépare les frites. Oh là là, l'autre il veut sa salade pour avant-hier. Il s'est barré, il s'est barré, mais il s'est barré. Oh, ok, c'est la fin de la journée, c'est la fin de la journée. Je peux faire ça. Hop là, voilà, la salade est prête. Trois clients. Oh la catastrophe. Alors je reprends, c'est la catastrophe. Oh là là, 3 étoiles seulement. Oh là 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 là, mais il y a le feu en cuisine, il y a le feu en cuisine. Vous avez vu ces mangeurs de salade là, ces véganes qui arrivent subrepticement, alors que tu as déjà 3 poulets à faire, et il veut sa salade pour dans 10 secondes chrono. Catastrophe, catastrophe. Donc j'ai plus rien en boutique. Des quêtes, bon, bah, toujours des quêtes à faire, mais je les lis plus. Mais bon, c'est terminé, ça. Qu'est-ce que tu veux, critique gastronomique? Il faudrait impressionner le critique gastronomique. Je me demande bien si c'est pas un des critiques gastronomiques qui vient, qui te demande une salade, et puis bon, bah, allez, concentration, concentration, chers amis. Je devrais même en faire tout de suite 4. Voilà, ça c'est fait. Une salade, une. Et poulet frites. Et hop, ça c'est fait. Bon, j'aurais dû découper les frites. J'ai pas non plus énormément de temps. Un burger salade tomate. Hop là, ça c'est fait, la salade frite, ça c'est bon, on y est, la boisson c'est pour la miss. Et avance, avance ce serveur. Là c'est la serveuse qui est trop lente. Ok, encore du poulet. Ça demande du travail, hein. J'espère qu'il les fait cher à ces poulets frites, hein. Ça demande du travail, mon gars. Par contre, là c'est seulement une tomate. J'aurais dû le poser juste à côté. C'est une tomate. Te gourre pas. Il faut pas se gourer dans la commande. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Concentration. Concentration. Je suis un restaurateur méticuleux. J'essaye de ne froisser aucun client. Tout à l'heure, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, je vous préviens. La salade. Bon, bah voilà. Ça, c'est sûr, si tu prends autre chose en main. Allez, mangeur de salade. Des fois, c'est. Comment dire? C'est des vilainies. Parce qu'il vient, il te demande du poulet. Donc, tu vois le poulet, mais c'est pas des frites, c'est de la salade qu'il veut avec. Et donc, du coup, tu te gourres. Bah, ça ressemble pas à grand-chose, ces petites icônes. Encore du poulet frites.
Oui, wouhou! De toute façon, tant qu'on n'a pas de glace, moi je suis plutôt content. Ça, c'est fait, je découpe, je découpe, je découpe. Ah bah, regardez. Donne les frites. Donne les fries. Mets le poulet, on s'en fout des frites. Attends, c'est pas la peine. Ce qu'il me faut, c'est poulet salade. Burger, burger, burger. Burger avec tomate. Burger avec tomate. Et des glaces. Donne ma glace. Ah non, je ne sais plus où donner de la tête. Ok, le poulet, le poulet, le poulet. Il me faut. Regardez l'autre, le poulet avec sa salade. Il le veut pour avant-hier. Oh, qu'est-ce qu'ils sont exigeants, ces clients. Ah, ça c'est fait. Avant que ça crame. Ok, tout va mal, tout va mal, tout va mal. C'est une catastrophe. Le burger. La salade. La salade, la salade, la salade. Ah oui, alors lui il veut ses glaces, regarde. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, il est là, il est là. Tiens, ta glace, tu la fous dans la tronche, espèce de. Oh, deux clients. Quand même, deux clients. On a quatre étoiles, mais il y a quand même deux clients qui sont pas contents. Alors je me demande, est-ce que c'est les clients de la fin? Parce qu'il me semble que j'ai quand même pas raté une seule commande là sur le coup, hein. Peut-être, peut-être pas. Trop concentré, hein. Si, peut-être une salade qui s'est barrée, ça c'est sûr. Et peut-être vers la fin là, peut-être que ça compte ça aussi. Oh, je sais pas. Je crois, j'ai dû sûrement rater deux. Eh ben, c'est pas terrible, hein. Oh non, mais il y a le feu à la cuisine. On est mauvais. Oh, mais c'est une catastrophe, hein. Vous avez vu les glaces? Il faut que tu sois, mais partout en même temps. Ce qu'il me faudrait, c'est deux serveurs. Critique gastronomique vient aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'en perds mon latin, je fais n'importe quoi. Voilà, j'aurais pu les prendre ensemble, mais je le fais pas. Ça, c'est fait. Ok, une salade pour commencer la journée. Oh, c'est la concentration, hein. Alors là, je suis au taquet, hein. Burger, burger, le pain, poulet, poulet frites. C'est des frites, hein, c'est des frites, ok. On y est, on y est, on y est, on y est. Concentration, les enfants, je veux rien rater. Il me faut toujours. Non. Toujours des ingrédients d'avance. Putain, il est pressé. C'est poulet frites, c'est là où il y a le plus de boulot dessus. Et ils sont quand même hyper pressés. Ils sont plus pressés que pour un burger, c'est incroyable. Hein? En fait, il faut vraiment que je les prépare. Eh ben, je vais me faire des poulets d'avance, mon gars. Eh oui, eh, les poulets, ils sont déjà cuits. J'en ai déjà deux qui sont cuits. Ça c'est fait. Burger salade. Ça va, c'est juste nickel. Là on est bien là. Là on est bien. Concentration. Je voudrais éviter d'être trop ridicule. Parfait. Ok. Nickel, donc il me faut un burger, salade, tomate. Eh ouais mon gars. L'assiette, l'assiette. Et on redécoupe des ingrédients. Tomate. Oh là là, toutes ces salades. Vous voyez, maintenant que j'ai des poulets d'avance, eh ben ils veulent des salades. Ces gens, alors. Ok, on y est, on y est. Sers la salade aux messieurs, dames.
tu donnes l'assiette. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Eh bah c'est pas mal ma couille. Encore une salade. J'ai encore une salade incroyable. Incroyable, ces gens sont des mangeurs de salade. J'en ai servi 4 aujourd'hui. Oh là là, la glace, la donne ma glace. Mets les frites, mets les frites, mets les frites. Cette personne veut plein de choses. Allez, allez, donne les frites, donne les frites, donne les frites. Donc il veut un parfum de chaque. 1, 2, 3 et... Tiens monsieur, t'es content monsieur? C'est bon, tu sers les frites au monsieur? Donc deux salades. Oh bah, eh sans déconner. Eh sans déconner. On a géré ou pas? Un seul client, mais d'où t'es parti à quel... Oh, tu calmes. On a quand même 5 étoiles, on a fait un service avec 10 clients, super content, et le chiffre 33 c'est un très très bon chiffre, parce qu'il paraît qu'il porte bonheur. Voilà, je suis content, des bisous, le critique gastronomique a été impressionné, mais bien sûr. Voilà, il veut être impressionné en fait par ma gestion, je crois. C'est sûr que si je fais 8 couverts, j'en rate 2, et il est pas content. Rénovation du bâtiment, ça tombe bien parce qu'on a du fric. Chaussures de sport. Courir plus vite. Je l'utilise ça, hein. Je l'utilise hein, fréquemment. Donc qu'est-ce que tu veux que, comme quête? Un critique gastronomique, d'accord. Hein, donc encore une fois, critique gastronomique terminé. Nouveau, impressionner le critique gastronomique. Servir 20 plats au four. 10 jours avec 4 étoiles. Bon bref, beaucoup, beaucoup de travail. Allons-y, on revient en cuisine parce que B pour courir plus vite. Oh mon Dieu, ce restaurant qui est gigantesque. 2 étoiles, nous venons d'obtenir 2 étoiles. Nouveau parfum, superbe les nouveaux parfums, merci. Oh. Oh là là, par contre, mon bonhomme, il est encore plus petit. Et je vois encore moins bien. Je suis pas content en fait. Donc burger avec tomate. Hein. Non, me sors pas. Oh, je suis totalement perdu. C'est trop grand. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vais pas y arriver. J'ai peur. J'aime pas ça. Toi, tu veux juste une frite, toi. D'accord. Bon bah, il veut du poulet frite. Salade. Tu donnes salade vite et salade. J'aurais dû mettre le poulet. Non, il faut faire d'abord ça comme ça. Et après seulement tu découpes. Qu'est-ce qu'il me faut? Encore de la salade ici, encore une tomate ici. C'est bien, il y a plus de plans de travail, mais en même temps. Et je vois pas toujours très très bien. Tomate, faut pas se gourer, tu prends pas autre chose que de la tomate parce que tu veux pas le retirer. C'est paradoxal, hein? Découpe là, découpe le machin. Oh, il y a du travail, il y a du travail, mais mon Dieu, mais comment peut-on être au chômage? Donc toi tu veux poulet et salade. Et là monsieur il veut un burger et tomate. Heureusement j'ai des burgers de prêt. Tout va bien. Pour... Non mais sors pas. Mercredi. Ok, tout va bien au niveau du poulet. Des frites, des frites, des frites, des frites. Burger avec tomate, non. Non, tu peux prendre 2 fois burger tomate. Lâche pas le burger, lâche pas la tomate. Je cours.
Ouf, ok, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Ça, c'est tout seul. Encore des frettes. Encore des frettes! Ça, c'est parfait. Salade aussi, les gens, ils aiment bien la salade. C'est des vaches, les gens, ils mangent comme des vaches. Juste une assiette de frites. Il doit être un étudiant, je pense. Enfin, si c'est un étudiant, demande-lui de venir bosser avec moi. J'ai besoin de quelqu'un. Non, ce serait marrant d'essayer à plusieurs, mais je pense que ce serait vite le bordel. Vraiment, je pense que ce serait le bordel assez rapidement, hein. Il faut vraiment le secret, c'est dans la préparation de tous les ingrédients avant, comme ça. C'est bien ça, hein, c'est poulet et. Non, non, mais sors pas de ta cuisine. Remets du poulet, remets du poulet. Oh là là, et dis donc, et je pense que c'est pas mal là. On a fait un bon service là. Eh ben, on a fait un bon service, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de clients. C'est bizarre, non? Mais comment, à quel moment ils sont partis? Pourquoi il y a deux clients qui sont partis? Je comprends pas. J'ai mes 5 étoiles. Je comprends pas où est-ce qu'ils sont partis. Il faut vraiment que je revoie ça. Hein. C'est pas possible que j'ai raté des clients là. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien travaillé. C'est le feu à la cuisine, chers amis. Ça brûle. Ça brûle aussi dans ma chambre. Je transpire. Je suis pas bien. J'ai chaud. J'ai mes chiens qui d'habitude n'aiment pas prendre des bains. Là maintenant, comme je les arrose d'eau froide, ils en demandent carrément. Plus de table. Équipé four. Plein four servi au fromage oignon crème. Oh là là, je me demande bien qu'est-ce qu'on va faire. Embaucher un serveur. Voilà, tu prends. Allez, super, allez, deux serveurs. De toute façon, le restaurant est deux fois plus grand. Ah d'accord, donc c'est des patates au four. Oh mon Dieu, il y a quatre recettes associées. Crème, fromage. Oh là, mais j'y arriverai jamais. Mais attends, mais les frites, elles sont déjà faites alors? Mais oh non, 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 non. C'est trop associé. Deuxième serveur. Oh, mazette. Par contre, ça fait plaisir d'avoir du monde qui vienne m'aider. Non, hop là. Ça. C'est quoi ton bol là? C'est quoi ce micmac? Hey, je fais quoi avec tes patates? Attends. Oh, mazette. Hey. J'ai aucune idée. Aucune idée du pourquoi, du comment. Je fais quoi là avec ton truc là, ton bol? Du fromage, du céleri, du. Aucune idée, aucune idée. Ah d'accord, donc déjà patate. Et ça prend du temps en plus. Bon, heureusement j'ai des salades de prête. Ça va être une catastrophe, c'est moi qui te le dis. Donc tu veux. Ah mais je sais pas. C'est pas. Ça marche pas. J'ai aucune idée. Elle est où ma patate? Mais tu me la mets sur une assiette ou pas? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il veut? Lui, c'est où son truc là? Il est parti. Aucune idée de pourquoi du comment. C'est quoi ce qu'il y a là? Ça, c'est les glaces. Bon, ça, c'est. Les smoothies, c'est quoi cette histoire? Aucune idée. Aucune idée du pourquoi du comment. Ah, je me désintègre là, hein. Je vous le cache pas, je me désintègre. Il y a le feu, il y a le feu à la baraque. L'assiette de frites, bon bah, elle est partie, certes. Donc là, c'est poulet salade là qu'il me faut. Poulet frites aussi.
Il est parti. Catastrophe. Catastrophe. Ok, on essaye de ne pas paniquer. Je comprends pas du tout ce que les gens veulent. L'autre, elle me cache les ingrédients avec sa tête. Donne des frites. Voilà, ça c'est fait. Burger avec de tout. Ça, on peut le faire. Burger avec tomate. J'ai une tomate qui traîne là, ça devrait aller. Des frites, mais il a pas eu sa frite lui, c'en est un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû merder quelque part. J'ai dû merder quelque part. Burger avec tomate, c'est des tomates qu'il te faut. C'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Ah, c'est bon. Pff, ouais. Oh bah catastrophe. Il s'est barré le mec. Poulet. Poulet. Poulet salade. Catastrophe cette journée. J'ai rien compris à ce qu'il fallait faire sur le côté. Oh, 5 clients. Mais je vous avais dit, il y a le feu. Mais il y a le feu. J'ai tout agrandi, mais c'est une catastrophe. Oh là là là, je suis pas content. Boutique. Qu'est-ce qu'il y a à la boutique? Plus de distributeurs de boissons. Ça, c'est pas grave. Plus de friteuses. À la rigueur. Ah, mais j'ai plus de sous. Nouveaux ingrédients de la bière. Oh là, quel dommage. Plus de four. Oui, non, mais plus de four, ça me sert à rien. Je sais déjà pas utiliser celui-là. Bon, bah, la bière, ça va faire venir des gens qui aiment les burgers. Mais non, mais pas. Et je suis. J'ai gardé les tomates dans la main. C'est MER, veilleux. Bon, une patate, un céleri. Une patate, un céleri, crème fraîche. Qu'est-ce que c'est? À quel moment? Bon, celui-là, on peut le servir. Oh là là là. Je comprends pas. Ah, d'accord, c'est là. Et céleri, 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 c'est là. On y est, on y est. On va y arriver? Oui, je crois qu'on y est arrivé. Des frites. Qu'est-ce qu'il veut? Poulet frites, lui, il veut. J'aurais dû d'abord mettre. Il le reprend comme je peux transporter deux fois plus de choses. Il le reprend. Ok, donc tu veux patate. Il faut d'abord mettre la patate dans le four et puis après il faut prendre le fromage. Il s'est barré, hein. Il s'est barré, hein, saligaud, va. Vilain gredin, les insultes d'antan, tu sais. Ok, donc il faut d'abord travailler la patate. Et après, il faut. Oh là là. Ah bah oui, il faut d'abord mettre les. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc il me faut fromage. Et il me faut. C'est. Ça marche. Il s'est peut-être barré, mais au moins j'ai réussi. Ce
qu'on va faire, c'est on va mettre des patates au four comme ça. Ah ouais, lui il veut ses glaces, alors ça va être une catastrophe. Allez, puis les glaces, ils les ont mis à... C'est qui? C'est lui. Ok. Tiens, monsieur, tes glaces. Cours, cours, malheureux. Oh là là, et puis là aussi, la patate, la patate. Tu me caches la vue avec tes... Ok. Une salade. Oh là là, c'est tellement bon d'avoir qu'une salade à faire. Ok, donc j'ai deux patates là qui sont faites. Écoute, mets-en une troisième. Du poulet, on met du poulet. J'ai encore deux steaks. Et je vais commencer à gérer un peu mieux. Hein. Je ne vous cache pas que ce ne sera pas extraordinaire, mais voilà. Salade. Oh là là, la journée. Mais c'est des poulets. Moi, j'ai fait des poulets pour rien. Ok, on n'a que deux clients qui sont mécontents. Maintenant, je gère les patates au four avec le fromage, la crème et le céleri. Normalement, je devrais plus ou moins aller. J'ai 600. Qu'est-ce que j'achète? Plus de four? Non. Plus de friteuse, à la rigueur, parce que je n'en ai qu'une. J'ai même pas vu. Non, j'en ai qu'une, hein, de friteuse, hein. Ingrédients de la bière. Alors la bière, voilà. Bon bah de toute façon j'ai pas le choix. Allez, la bière. La bière. C'est elle qui... Enfin c'est les serveuses ou les serveurs, enfin bon bref, qui vont me servir ça. Allez. On garde de l'énergie, on garde notre concentration. Tu sors pas de la cuisine s'il te plaît. Ça m'embête un petit peu de ne plus pouvoir poser mes steaks comme je le voulais. Donc tout de suite, salade. Coupe cette salade parce qu'ils sont toujours trop pressés, ces gens-là. Regarde-moi ça! À peine arrivé! Donne la tomate. C'est bon, il est parti, hein. Il est parti, hein. Mais ces gens, quoi, mais... mazette à ces gens, mais ces gens. Allez, 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 allez. Tu donnes. Ok, donc tu veux... Donc tu veux crème fraîche. Ah oui, c'est vrai qu'il faut la travailler avant. Crème fraîche et céleri, on est d'accord. La frite. J'ai même pas pris le temps de regarder un petit peu mon restaurant, comme il était beau, comme il était joli, maintenant que qu'il est énorme. Non, donne. Burger, tu lui... T'as servi le burger au monsieur? Pourquoi il est pas content? On a quand même de la marge, hein. Il faut quand même que je m'en souvienne de ça. Ok, des glaces, du poulet, poulet frites. Ça tombe bien, j'en ai. Oui, bon, bah celui-là, il faut le découper, mais c'est l'autre qui était découpé. Oh là là, des glaces, des glaces, des glaces. Une, deux, trois. Et c'est... Il est où celui-là? C'est celui du fond, là. Et en plus, le pire, c'est pour les viser, les mecs. Donc, une glace de chaque. Une, deux. Ok, multicolore, tiens ta glace. Patate, patate, j'en ai une de prête normalement. Le burger, ça va. Point, le burger. Cours, cours, malheureux. Ok. J'ai eu une patate de fête là, donc c'est crème fraîche. Et... C'est bon le burger? C'est bon. Et puis hop, poulet et salade.
et d'un et de deux. Et remets du poulet parce que, à mon avis, on va en avoir à nouveau une salade. Bon, je sens la fin de la journée approcher aussi. Donc ça, c'est poulet salade, hein, on est d'accord. Mais faut le travailler le poulet. Je suis concentré, hein. Oh là là, je suis concentré, c'est le feu à la cuisine, chers amis, des frites. Mais donne les frites. Bon bah, hey, on s'en est pas trop mal tiré. Ça a pas été trop le bordel. Ouais, et on a nos 5 étoiles, sans déconner, on a nos 5 étoiles. Et bah, c'est pas si mal que ça, voilà, c'est pas si mal que ça. Je pense que je m'en sors bien. Il y a eu un bon moment de flottement, parce que j'ai pas vu qu'il fallait travailler la frite, la pomme de terre cuite au four. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Bon, qu'est-ce qu'on a? 400, on a acheté le truc à bière, et boutique, il y a autre chose qui se délivre. Plus de friteuse, plus de four. Bon, j'avais pas acheté de truc à bière. Ah si, un deuxième robinet à bière pour plus de bière encore. Oh là là, que du bonheur. Et sans déconner, le resto, s'il existait, moi j'irais. Sur ce, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce cauchemar en cuisine. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Je vous invite à vous abonner aussi parce que c'est ça qui est bon. On est de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Sur ce, des bisous, tchou tchou bye bye et à la prochaine.